lorsque vous traitez, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences physiques, que ce soit l'histoire et la géographie, il faut toujours commencer par lire le sujet. Monsieur. Vous lisez le sujet. Vous avez au moins 10 minutes. Vous lisez et vous relisez. Est-ce que vous suivez là ? Monsieur. Lisez tranquillement. Et s'il faut lire, c'est pour comprendre. Et commencez par l'exercice qui vous paraît facile. Ces instructions données par l'enseignant à l'endroit des candidats est l'apogée d'une année scolaire. Afin que ces apprenants passent sans fausse note, les épreuves écrites du BEPC, notifiées le 7 mars 2019 par le ministre de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation Anatole Collinet Makosso, dans la 0069. Aussi, il est impérieux que ces candidats affectés dans les différents centres s'octroient les cartes scolaires et d'accès. Depuis hier que nous avons commencé avec la distribution des cartes scolaires et les cartes d'accès des candidats de notre établissement au BEPC, session du 2 juillet 2019. Effectivement, selon les instructions du ministère, la carte scolaire est obligatoire pour tout candidat pour avoir accès dans la salle d'examen. Nous avons élaboré un calendrier par classe. Donc hier, nous avons commencé avec la 3e 1, aujourd'hui c'est la 3e 2. Et pour parer au plus pressé, nous avons entamé les autres classes pour éviter d'être surpris par le temps. Sur l'importance de l'obtention de ces documents. Mais nous lançons donc un vivant appel à nos candidats pour qu'ils viennent au plus tard vendredi retirer leurs cartes. Et vous allez voir que dans le tableau affiché là-bas, qu'ils viennent retirer les cartes et la répartition également des candidats par centre. À l'endroit des élèves d'autres établissements, puisque ce sont les instructions du ministère. Quand vous n'avez pas de carte scolaire, vous n'avez pas accès dans la salle d'examen. Je demande donc à ces enfants-là d'aller dans leurs établissements respectifs afin de retirer leur carte pour leur permettre d'affronter les résultats, plutôt l'examen, dans de bonnes conditions. Il s'est de noter que le BEPC sera lancé le 2 juillet et prendra fin le 5 du même mois sur toute l'étendue du territoire national.